Bonjour à tous, c'est Livien. On se retrouve pour une petite vidéo par rapport au tournoi Conan Exil 1v1 qui s'est déroulé hier soir sur le serveur DMFR. Donc, à la base, nous avions 13 concurrents que je tiens à remercier de leur participation et à ce bon moment de détente qu'ils nous ont fait partager. Et donc, pour en revenir au tournoi, il s'est déroulé en deux parties. Donc, il y a eu la première partie, donc des tours normales, donc tour 1, tour 2, tour 3, demi-finale. Et donc, du coup, à chaque match, il y avait un perdant qui était rebasculé dans la ronde des perdants, ce qui lui permettait, en cas de victoire dans ces rondes, de pouvoir prétendre participer en finale contre le vainqueur de tous les de toutes les tous les, de les tous les premiers tours. Donc en demi-finale, nous avons eu Pomi contre Zvink qui a été remporté Pomi, donc il avait accès directement à la finale. Quant à Zvink, il est passé en ronde des perdants ainsi que tous les autres participants. Et au final, dans la ronde des perdants, c'est Zvink qui s'est imposé face à Toubi57, ce qui lui a permis de rejouer contre le même adversaire qu'il a eu en demi-finale, donc Pomi. Par contre, cette fois-ci, c'est Zvink qui a remporté le match, ce qui lui a permis de remporter le tournoi. Bravo à lui. GG, beau jeu, beau game. Donc du coup, je vais vous donner les classements du tournoi définitif. Donc en premier nous avons eu Zvink, deuxième adversaire, second Pomi, le troisième Toubi57 puisqu'il a il a perdu son match en ronde des perdants contre Zvink, bon, ce qui lui a valu la troisième place. Quatrième place Gary, parce qu'il a perdu contre Toubi57 on va dire en demi-finale de la ronde des perdants. En cinquième place, nous avons Sick Madduck et Doc. Septième place, Askip et Silgem. Neuvième place, Fatalen, Atiza, Odin et Ganji. Et le dernier, ou le premier en partant de la fin, comme on veut, c'est notre très cher Hitman. GG à lui de sa participation. Et donc, concernant les lots, ils ont eu le premier, donc Zvink, a reçu une arme légendaire qui était une pique du dragon noir ainsi qu'un kit de réparation légendaire. Pomi, quant à lui, a reçu une lance archéonienne sans défaut, ainsi qu'un kit de réparation légendaire. Et Toubi57, pour la troisième place, a reçu un kit de répa légendaire. Quant à tous les autres participants, ils n'ont rien gagné, sauf le plaisir de participer à ce magnifique event. Donc voilà, donc je vais vous mettre à la suite là, le dernier match, la finale en fait, de Pomi contre Zvink, qui a été remporté par Zvink, pour que vous puissiez voir un peu le niveau de ces joueurs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, le dernier match de la soirée, Pomi contre Zwing, pour savoir qui c'est qui va gagner une arme légendaire. Bon, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous les deux du même clan, donc l'arme, ils pourront l'utiliser, chacun leur tour.
Ah, ils se sont croisés. Ils se sont... Louper le lance, le javelot. Ah, là, j'ai lancé. Promis à lancer une flèche curative et Zwing a répliqué de suite avec des flèches de gaz toxique. Ah, GG Azwink.